Le passé composé des verbes du premier groupe. Le passé composé indique une action qui est passée, c'est-à-dire qui est déjà terminée au moment où l'on parle. Il se conjugue avec un auxiliaire, avoir ou être, et le participe passé du verbe conjugué. Les auxiliaires avoir et être, eux, se conjuguent au présent. Hier, j'ai mangé une glace, tu as chanté des chansons drôles, puis nous nous sommes amusés avec le chien du voisin. Conjugué au passé composé, ce n'est pas compliqué lorsque le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Pour les verbes du premier groupe, il suffit de changer « er » en « et » à toutes les personnes. J'ai mangé. Tu as mangé. Il, elle a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils ont mangé. J'ai joué. Tu as joué. Il, elle a joué. Nous avons joué. Vous avez joué. Ils ont joué. C'est un peu plus compliqué pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Dans ce cas, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Lundi dernier, Lucille est rentrée tôt. Papa et moi, nous sommes arrivés un peu plus tard. Quand nous sommes entrés, elle s'est cachée sous la table de la cuisine. Je suis rentrée. Tu es rentrée. Elle est rentrée. Nous sommes rentrés. Vous êtes rentrés. Elles sont rentrées. Je suis arrivée. Tu es arrivée. Elle est arrivée. Nous sommes arrivés. Vous êtes arrivés. Elles sont arrivées. En résumé, pour conjuguer au passé composé, on utilise un auxiliaire, avoir ou être, et on ajoute le participe passé du verbe conjugué. Avec l'auxiliaire être, on fait la même chose, mais on accorde le participe en genre et en nombre avec le sujet. Hier, nous avons préparé un bon gâteau. Nous nous sommes régalés. Mélissa a essayé de sauter à la corde, mais elle est tombée par terre.